quand on ouvre le tuto et quand il y a un rendement, aujourd'hui je vais vous parler de la richesse. Il y a plein d'hommes qui m'appellent pour me parler de ça à chaque carré. La richesse là, il y en a. Ça existe. Celui qui dit qu'il n'y a pas de médicaments d'argent, il y en a. Voilà. Tu es bloqué par quelque chose. On ne veut pas que tu n'as qu'à avoir l'argent pour dépasser l'autre. Ou bien dans la famille, vous êtes 5. Il y a un qui a fait sa chose, il a eu son argent. Là, tu penses que tu es sûr qu'il va te laisser toi aussi avoir. Ils vont parler de lui demain. Si tu gagnes l'argent, ils vont parler de lui demain. Donc, il y a tout ça là, il y a tous ces paramètres-là. Tout le chacun est né avec sa chance. Tout le monde là est riche. Mais ça dépend maintenant. Nos cas de vie. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce que moi-même là, j'ai fait? Voilà. Il y a tous ces paramètres. Je vous ai dit toujours qu'avant de venir vers moi ici, il faut que moi-même j'ai le cas de Dieu. Il faut que je te regarde. Dis Dieu d'abord. Voilà. Moi, mon médicament de l'argent. Il n'y a pas fait de ticket, tu vas le tuer, il n'y a pas de risque dedans, mais c'est avec ton âge. C'est en fonction de ça qu'on fait le travail. Quand on va faire le travail là, ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est toi-même qui vas dire. Mais si tu as une fois pris couteau ou bien physique comme ça, tu as tiré sur quelqu'un, tué, ne pas venir chez moi ici. Parce que c'est ce qu'il a fait pour te donner ça par ici. Si tu ne vas pas dire la vérité, c'est que tu es bénéficié là. Tu as dépensé cadeau. Mais à part ça là, tu viens. Viens, tu vas voir ce qui va se passer. Voilà. Je n'ai pas dit que tu as gagné des tonnes, des milliards. Mais tu peux jamais manquer de quelque chose. Moi qui suis assis devant vous ici là, vous me voyez là. On dit la main que tu apprends pour taper poitrine de ton ami pour dire qu'il est comme ça là. Moi-même là, je vais prendre pour taper pour moi d'abord. L'autre va me dire que bah, tu fais médicaments, c'est les petits jetons que les gens te donnent. Non, hein? Non. Moi, ils m'en foutent de ça. Souvent, il y a plein qui me doivent, mais ils ne parlent pas de ça. Voilà. C'est le jour, trop, c'est trop, ça m'énerve, c'est ça, ils les appellent pour dire que non, c'est pas comme ça. Non. Vous me voyez là, je ne vis pas de ça. Moi, c'est comment gagner mon argent. Monsieur le journaliste, la voix passée là, moi, si tu veux, je vais tester devant toi. Comment moi, je gagne mon argent, je connais. Si tu es venu me voir pour ça, si tu n'es pas venu me voir pour ça, moi, je gagne mon argent. Ou moi, j'enlève mon argent, là, c'est moi celui qui connaît. Ce n'est pas pour lui, on m'appelle à qui la personne. C'est moi celui qui connaît. Voilà. C'est parce que ce n'est pas ailleurs ou bien soit peut-être chose. Parce que le même médicament qu'il t'a donné, c'est le même médicament là, il applique. Mais c'est moi qui ai la base. Donc, moi qui ai la base, là. Parce que moi, j'ai mouru pauvre. Non, non, non. Si j'ai besoin de 10 000 aujourd'hui, là, moi, c'est où j'enlève. S'il y a besoin de 100 000, la moyenne c'est où il y a enlevé. S'il y a besoin de 5 francs aujourd'hui, la moyenne c'est où il y a enlevé. Voilà. Donc, si tu veux essayer, tu viens. Je ne veux pas les plaisantins. Parce qu'il y a des gens qui vont venir t'asseoir devant toi pour dire qu'il faut faire bédou magique. Si tu es venu à cause de ça là, voilà un bien du qui. Parce qu'il y a dit ça beaucoup de fois. Moi, faire des bédou magiques là. Je ne suis pas d'État. Il vous a dit je ne connais pas. Il est clair de dire la vérité que je ne connais pas. Mais moi, j'ai ma propre manière de te faire riche. De faire riche. D'avoir l'argent. C'est avec ton âge. Toi-même, là. Toi-même, ton âge. Que j'ai fait. Tu n'as pas moulé. Mais le jour, tu mets aussi là. Il faut te dire que le bien que tu as mis là, à côté là. Tu t'en vas à Paris, c'est pas pour quelqu'un. Mais tu vas vivre bien. Si tu es malin, il faut payer maison pour sécuriser. Sinon, pour t'y habiller en banque, là, c'est pas pour toi. Parents ne peuvent pas les retirer. Là, tu as menti. Mais si tu as payé maison, tu es sauvé. Si tu as payé maison, si tu as réalisé quelque chose, si tu as construit ici, tu es sauvé. Mais pour dire que tu as été trompé, tu as ramassé pour aller mettre à la banque, là, tu as menti. C'est pas pour toi. Le jour où tu t'en vas net, là, l'argent, tu vas indiquer ce nom-là, il n'y a pas compte. Compte là, il n'y a rien dessus. Mais si tu veux le mettre dans la maison, c'est fini, ça arrête là. Ça fonctionne. Mais est-ce qu'il n'y a pas un délai? Il n'y a pas de délai. Parce que celui qui vient faire. Il n'y a pas de délai. D'autres disent qu'ils font, on leur dit que tu as 2 ans à vivre.
Non, c'est pas chez moi ici. Moi, je connais. Je connais ce. Je cherche même pas à faire ça. Parce que si il fait ça, c'est comme je suis en train d'encourager à mourir. Ah, il fait pas ça. Il fait pas ça. Parce que moi, pour moi, je fais avec mon âge. Mais chaque année, si ça tombe, par exemple, si ça tombe, tu as 32 ans. L'année prochaine, quand tu vas avoir 35 ans, c'est riz. Son sacrifice, là, c'est riz. Pour moi, là, c'est son sacrifice. Tu peux compter les grains de riz, là. Tout ce que tu vas manger, là, chacun va prendre combien de kilos pour mettre dans sa bouche. Donc, tu vas prendre un peu de chaque terre. Au fur et à mesure qu'on parle de toi, la personne nous a donné manger aujourd'hui. Ah, vraiment, il nous a donné. Tu peux compter les grains de riz. Si tu ne peux pas compter les grains de riz, si tu peux compter ce que. Son sacrifice direct, c'est lui. Ce qu'il a été montré, quand ça va tomber là, il te dit bon, telle année, quand un an monte sur ton âge, tu fais un sacrifice de sac de riz. Tu regardes quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien, qui sait qu'il va payer sac de riz, il te donne. Vous regardez. L'année, quand ça va commencer, si tu as commencé avec 1 million, il faut regarder l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine, il faut regarder comment 1 million que tu as trouvé, tu as débuté à ça, comment ça va être des choses, tu vas voir. Ce n'est pas moi qui ai dit Dieu. Voilà. Pour me mettre à l'épreuve, tu vas voir ce qui va se passer. C'est comme ça. Le sacrifice demande quoi? Ça demande vieux, poulet, mais. Ça dépend de l'âge de la personne. Ça dépend de l'âge de la personne, mais. Là, dans l'année, il y a 365 jours. 365 jours là, c'est pas épargné. Mais 365 jours fait partie, ça dit que ça fait un an. Voilà. Ça fait un an. Non, pendant les un an là, c'est avec ton âge là on fait. Moi, il sait comment, c'est un secret. Le reste là, je ne peux pas parler sous l'antenne, mais moi, il sait comment faire. Voilà. S'il y a 370 jours, là, ça peut marcher. Mais c'est les 365 jours. C'est ça qui est net. 370 jours là, ça. C'est que ça n'existe pas même. Mais si c'est 365 jours, là, ce que j'ai fait là, ça a réussi. On s'en fout. Voilà. Je tiens à vous dire aux gens aussi, parce que il y a les gens qui ont attendu de m'appeler pour les bédou magiques. Moi, je ne suis pas là pour ça. Hein. Les bêtises, là, moi, je ne suis pas. Je vous ai toujours dit, moi, je suis direct. Je suis toujours direct. C'est ça qui a activé. Tu m'as posé question dans l'autre émission un jour, que les gens vont commencer à gâter. C'est les gens, des personnes là, qui gâtent. Non. Ce que tu sais que tu ne peux pas faire, il faut dire la vérité à son mandat. C'est combien ils vont te donner? C'est combien ils vont te donner? La personne là, qui va venir vers toi pour te dire, c'est combien ils vont te donner? Et puis tu vas saluer ton nom. Ce que tu ne peux pas faire, tu dis, ah mon frère, ça là, je ne peux pas faire. Quand il dit, ah, tu ne connais pas, je ne connais pas. Tu t'assois là. J'étais toujours dit qu'il n'a jamais voulu avec quelqu'un. Mais quand il vient avec ton bagage là, s'il sait qu'il ne va pas te décharger, il dit, appelle quelqu'un d'autre. C'est direct. Donc ça fait que moi là, si tu m'appelles pour non, je vais faire sacrifice des poulets noirs. Où tu as entendu poulet noir, il faut aller là-bas. Sinon moi, il ne fait pas sacrifice avec poulet noir ici. Chez moi ici, il ne fait pas. Moi, j'ai ma propre manière de faire. À ma façon. Et je ne vais pas te dire à l'antenne. Appelle-moi si tu as besoin de moi. On va parler, on va s'entendre. Et tu vas voir comment ça va se passer. Pour dire non, il y a besoin de bédou magique. Toi, ton bédou magique là, où tu as compris qu'on fait bédou magique, il faut aller là-bas. Mon numéro c'est le 05 87 93 61. 05 87 93 61. 07 09 33 68 67. Les gens en entendant se faire passer pour attirer, mais les gens ont arrêté. Parce que s'ils n'arrêtent pas là, le juge prend un là, il a affaire à moi. Parce que les gens gardent nous non. Maintenant, là, quand tu vas m'appeler là, je te regarde vis-à-vis. Hein? Quand tu as besoin de regarder bien mon visage. Celui qui va te appeler pour te dire, ah, je suis à Tingabesolo, faut m'appeler par vidéo ou à cause. Si il ne fait pas ça, tu coupes. C'est que ce n'est pas Tingabesolo. Avec mes deux numéros là, on ne peut pas trafiquer. C'est ça. 05 87 93 61, c'est mon WhatsApp. 07 09 33 68 67, ça aussi c'est WhatsApp. Il n'y a pas mes deux numéros là, il n'y a pas autre numéro. Voilà. Il n'y a pas autre numéro. Il y avait un autre numéro, mais ça ne passe plus. C'est bloqué. Voilà, c'est deux numéros là qui marchent avec moi. 24 heures sur 24, je suis connecté. Voilà.
Voilà. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. On va parler, on va s'entendre. Viens me tester. Tu me testes. Moi aussi, je vais te montrer que c'est... si, en tout cas, si il peut faire. Je vous ai dit dans le début, si il peut faire. Vous voyez, si tu as tué quelqu'un à voir venir chez moi ici. Moi, il est clair de la vérité qu'il y a des mentis. Voilà. Si tu as tué quelqu'un, il ne peut pas venir chez moi ici. Il ne peut pas, il n'est pas ta solution. Voilà. Parce que le sacrifice que j'ai démontré pour que tu fasses là, tu ne peux pas le faire sur la terre. Si tu peux chasser les poussins avec ses enfants jusqu'à la Mecque, c'est que je peux te dire. Oh là là, aussi là, c'est que tu ne peux pas. À pied. Voilà. Donc, je sais que tu ne peux pas. Il y a une façon de te tiquer si tu as tué quelqu'un, il ne peut pas venir me voir ici. Mot de fin est que il est bien de se chercher. Mais quand tu gagnes l'argent aussi, moi l'argent aussi a son totem. Mais quand il te dit, il faut que je dise ça dessus. Il a son totem. Son totem, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu as trouvé, tu es dans les magies. En train de, je ne sais pas comment vous appelez là, jeter l'argent sur les gens parce que tu es en train de insulter les protecteurs, les génies. T'ont donné, c'est comme tu as l'an plus que et. Alors si tu as fait ça, si tu es trop ces 3 mois, tu vas te retrouver avant où tu étais. Quand tu gagnes ton argent, une fois que tu as eu ton argent, il faut faire les choses qui sont bien. Tu vois quelqu'un qui a faim, tu enlèves l'argent, tu le donnes. Voilà, moi c'est son totem qui est là. Mais afin de dire, allez s'asseoir, regarder, le gars va parler là-bas ton nom, parce que tu vois les gens autour de toi, tu vas prendre cet argent-là pour faire ça là. 3 mois c'est trop. Tu vas devenir plus pauvre. Mais quand ta perte va se percer, c'est ton totem qui est là. Si tu peux respecter, tu respectes. Si tu sais que c'est pour aller faire ça là, c'est que tu vas venir ici. Il ouais, ne faudrait pas que tu aies dit que non, et il m'a fait mes médicaments. Bon, ça a commencé à aller, après je suis tombé. C'est que c'est toi-même qui as fait. Tu peux payer voiture, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça là seulement si tu as essayé là, toi-même, si c'est trop, c'est 2 mois ou bien 3 mois. Tu seras plus pauvre. Juste quand tu vas mourir. Voilà, il faut que tu te dises. À cause on prend ton âge, toi tu ne connais pas. On dit faut faire du bien avec. Maintenant toi, c'est comme toi, tu as beaucoup que les trucs même qui te donnent. Tu jettes aussi. Mais tu jettes là, ils vont venir prendre tout. Maintenant, comme tu as beaucoup là, c'est toi tu fabriques. Voilà, donc c'est son totem qui est là. Si tu peux respecter, il n'y a pas de problème. Le reste là, des secrets là, ça est dans ma vie. Il ne doit pas te dire ça sur l'antenne. Merci.